La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, messieurs, bienvenue à votre émission Congo Live, dont nous avons le réel plaisir de les présenter pour vous. Jonathan Safou, à la présentation de cette émission, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias comme vous voyez bien que Congo Live Télévision, chaîne qui vous informe en temps réel. Donc nous avons cette opportunité, bien cette occasion de vous informer comme il faut, comme il se doit, à travers notre chaîne. Plusieurs actualités politiques au Yoko dominé le Lona en République démocratique du Congo. Nous sommes lundi 28 novembre 2022 au Tokobeta concernant l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Il s'agit qu'on a nouvel élan, il y a Mouzit Ouya qui contresse déjà le calendrier électoral, les a publié mon collègue samedi par le président de la CENI, Denis Kadima Koloba, qui est déjà calendrier, on est à la réalisabilité, d'après le dire de Adolphe Mouzit, ancien premier ministre, président national, il y a nouvel élan. Mais ensuite, nous allons parler de l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo, et le Kola, Moko, il y a mandat, Moko, il y a priorité à chef de l'État, allez-je dire, au Bako Banda Lelo. Dans Kenya, pour entamer le troisième processus, il y a retour, il y a peu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous allons aussi parler de la prorogation et état de siège. Est-ce que c'est une nécessité, il y a que ça la ressource sur la prorogation, tandis que le chef de l'État congolais, il est en train d'entamer plusieurs démarches de diplomatie en même temps. Il faut des savoirs continuer toujours au bout dans l'Est de la République démocratique du Congo. La République a toujours eu cette opportunité, à ça la prorogation, de dépenses sur cette prorogation que Kenya Kuna. Est-ce que c'est une nécessité pour le moment ou bien tout ce qu'il y a dans le processus, il y a un retour total à la paix, au revoir, il y a un dialogue. Enfin, nous allons parler de Kwamuntu, où les zones sont sous la résistance, il y a une attaque au niveau de Maïndombe. Aujourd'hui, on signale qu'il y a 3 morts. Est-ce que le gouvernement central s'emprunte de cette situation de Kwamuntu ou bien il y a une charge du gouverneur Rita Bola, où il déplore toujours la situation qu'on a à Kwamuntu. Sur ce plateau, nous avons un. L'homme, il y a société civile, il s'agit bien de Gaylor Besseke Oazali, vice-président et chargé des relations publiques et stratégie ADC, auto-prise en charge pour le développement du Congo, auto-KFC. Oui, madame, on découvre Gaylor. Merci beaucoup, monsieur Jonathan, de m'avoir ici au nom de la société civile, au nom de la structure ADC en sigle, l'auto-prise en charge pour le développement du Congo. Moi, c'est M. Gaylor Besseke Elese. Je suis vice-président et puis chargé des relations publiques de l'auto-prise en charge pour le développement du Congo, ADC en sigle. Ok. Avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, d'après M. Gaylor Besseke, comment tu vois aujourd'hui la santé politique de la République démocratique du Congo? Bon, la santé politique de la République démocratique du Congo, santé à politique yambo kanabiso eza penda na ezo répondre à 100%. Soki na lobby qu'ezo répondre à 100% jusqu'à présent ba imboka ba kongomani ba kutani nanu na makamboyo ba kozela te sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Donc, moi, Kokoso, les alliés, les Osenga, et s'améliorer, malembe, babongi saramboka, namukolomo kote, mboka, les alliés, les kambouya ngonga, les alliés, kambouya procédure. Donc, malembe, tout le monde a quand même, ou les alliés, garant de la nation, chef de l'État, de Kofélix Tshisekedi, aza na volonté ya komema mboka na makambu ya malamu, parce que tozo mona quand même depuis qu'il est au pouvoir, il y a quand même un changement, il y a quand même la volonté politique, mais ko bongisa mboka ezo senga kaka to tikele charge te ezo senga biso tout ba ikongomani to kokaka kosangana to zala liboke moko pour que tout le monde tombe les colonnes au Congo. Restons toujours dans la question, autant que le baké va bon sakamboka na mokolomo côté, ou bien boke zo kini malam penate sur le plan côté économique, social et tout consort. Et aujourd'hui, ce tout ça a été un comparatif entre Joseph Kabila Kabang et Ndenga Tikela qui est Congo sur le plan social. Na le loi Félix au Kolobanin. Bon, moi je dirais
Oui, certes, photo, ça, l'analyse beaucoup comparative. Moi, je pense qu'à l'époque de Kabila, Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Je dirais même plus. Parce qu'à Zubiso, dans ma période, il y a transition. Mais aujourd'hui, quand M. Ndeko Félix Tshisekedi dit, le président Félix, il n'a que presque 4 ans, si j'ai une bonne mémoire, 4 ans au pouvoir. Donc, ce qui est tout comparé, tout le monde a 18 ans, il a 4 ans. Comparaison pendant que ça les mapena mingité. Moi je pense que faut juger Félix Tshisekedi Ndeko Félix Tshisekedi na fin ya bilan na ye de tokoye ba ko comparer mais na outu koloba quand même awa il y a quand même la volonté politique, il y a quand même la volonté ya ko sala malam par rapport ya mboka parce que tozomona moi je suis parmi des personnes na banda qui même ko condamné ma voyage naïe, mais aujourd'hui je commence à comprendre, je commence à réaliser que ma voyage naïe est important pour que ala qui s'amoka à niveau international pour que toi attirer ben investisseur ba kokakoya na mboka na biso eza ba makambo ezo ezo salema malembe malembe yango moni na lobby comparaison penda eza penda sikoyote to kokako comparer parce que to zela na nous na fin mandat de Tokoeba pour comparer. Parce que ce qui même le bito qui est sur le plan à comparaison, nous avons vu l'époque qui a Kabila, à Sala qui 18 ans n'a rien à pouvoir, mais gratuité, ça l'a quitté. Mais avec le président Félix, il y a quand même la gratuité. Bien qu'ils ont répondu à 100%, mais volonté, il y a que Sala, ils allient. Donc, il y a un peu de temps, ils ont Senga, Tozala, Uni, Tokoka, Kozala, le boko ya ko sangana tozala moko pour que to koka ko sunga mboka na biso Congo e ko za malamu ndenge okoloba ah que ko sala étude comparative entre le président Kabila, ancien président Kabila na le président Félix Antoine Tshisekedi ko za mo passe mais ce que totali mo moke to zengi mo moke sima na 18 ans Joseph Kabila to tika la ko mona dollar ko mona 21000 té pendant les 18 ans Kabila to tika ko mona lipa il y a 200 ou bien 300 et bon na circulation té mais le lot na moins de 5 ans il y a président Félix Antoine Tshisekedi to ko mona dollar comme na 21000 lipa 200 300 et ala rasu sous té to ceux qui ont un quartier na surtout yoza molobeli il y a commune ngalie moi vous serez candidat député provincial na ebite ceux qui ngalie moi yo mona lipa 200 francs bon moi je pense que yango zo lo ko na zo revenir toujours. Vous savez, les alliés, moi, passé dans le cannabis, il y a un moni biso, tolobi, auto-prise en charge pour les développements du Congo. Tous les premières histoires, il y a Lumumba, tous les premières histoires, il y a Mouzé. Lumumba disait, l'histoire du Congo s'écrira au Congo par les Congolais. Mouza y est à l'objet auto-prise en charge. Bino Mokobo Kokakomizwa en charge. Mais aujourd'hui, ce qui est le Zoloba, l'IPMATI. Parce que quoi? Notre économie est totalement, quasi totalement extravertie. C'est ça le problème. Jusqu'à présent, Bissoba Congolais, aujourd'hui, nous avons conscience. Il y a comme misoire en charge. Beaucoup de produits dans Bisso, ils ont beaucoup plus d'extérieur. Nous avons des économistes de formation. Ceux qui ont vous allez subir des prix. Vous subissez des prix. Ce n'est que normal. C'est quand même regrettable, l'élo, ce qui est le bibaba, sur le plan continental. Qu'est-ce que nous, les Congolais, nous avons fait par rapport à l'innovation mondiale? Je pense que c'est nul. Parce que nous, tous en la conscience, il y a un moment où ADC, tous en bêta, c'était beaucoup plus nos taux prises en charge sur tous les plans, sur tous les plans. L'élo, le problème, ils ont les canambo, cannabis. Hausse des prix au salema parce que nous ne produisons pas. Or, tous en abat, mais ma belle amine n'y a pas. Ma belle au coup de bande de conabiso, yaba payaba koya,
bah aux hommes abelés na biso pour na fertilité na ngo mais biso moko toza na conscience c'était na kobetelo neti bamboka loko la ba Israël au moni neti biso to tchaka ba peau de fleur na Israël ba tchaka peau de fleur te muta kocha na place à fleur à chez moi tomate naye moi eloko naye moi légumes et tout mais biso wa na ba mapango toza na ba mabelé polele et ko sale lo côté donc tata mokonje kolo il faut abeta beaucoup plus certaines locaux il y a auto prise en charge il y a on dem te ko sala lobby to booster économie il y a on dem te ko sala lobby to za na ba problème il y a ben sécurité na STT il y a on dem te ko sala ke Congo ya lobby ezala Congo moko fort et puis puissant. Eh bien voilà, nous sommes ici avec Gélor Bessio Kéya, Azali Moko, il y a Bakambi, il y a structure ADC Congo, ils allaient auto prise en charge pour le développement du Congo, que ça la keto betané ma comme concerné actualité politique. Tout justement nous beti ma solé concerné insécurité na est et que ça la tous qui congomani a eu courage au ça la ma comme le lengue singebeli. Parlons de cette insécurité, il y a est de la République démocratique du Congo. Plusieurs démarches entamé par le chef de l'État congolais depuis son arrivée au pouvoir, et aujourd'hui, il se retrouve toujours que est la République démocratique du Congo et donc aux Kimia comme une faute. Il y a toujours des guerres où il y a que ça Congo man, bas bon maman, bas à la tuer du matin au soir et l'élo. Après mini sommet à Luanda, bah lancé le troisième processus et retour à paix. On a un niveau il y a Kenya qui est le lot que ça la table entre les Congolais, les Rwandais, les Ougandais sous la médiation du Kenya. Est-ce que les alliés sous nous allons malam pour tomber Luanda pour la résolution malonga. Ils ont mis malgré la résolution ils ont mis pour que M23 à sa la retrait il y a des troupes naïnes dans le territoire nous sommes allés occuper pour la partie est de la République démocratique du Congo. On n'a pas senti cette positivité et la résolution là. Est-ce que oui, pour ça, et bandit le lona niveau et Kenya Kuna, on va vivre du bonheur ou bien aux gens sous la malheur ou la population de est va vivre bon gana foyer bisa papa Mokonzi Kolo papa Félix Tshisekedi dit vous savez, bah français bah il faut lancer balobaka, c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Kimia et Kotana Mboka et Kotana est. Il faut toluka ya ko préparer mama pinga ya mboka. Moi je pense qu'avec le président Kabila à l'époque on a eu des négociations mais aboutissa ka ne lokoni. Aujourd'hui aussi na tata Mokonzi Félix ba négociation est salimi mais ils ont abouti en le côté. Nana ko pesa ka ka chance so ki négociation e ko le kanake ni pour le ka est ce kokako vandi sakimia na est et koza la malamu mais na kozonga ne loko na otsukolo basiko c'est lui qui veut la paix prépare la guerre awa problème na biso ezali tozwa conscience to kokako za na une armée forte une armée oyiko bangisa mokili. Moi je suivi le président Poutine a lobby Congo ezana nyoso ben suffisance nyoso tout ezana mokili Congo ezana ba suffisance wana tozana nyoso mais problème ya biso ba kongomani ezali kambu ya conscience. Nous voulons que ba makamu na biso nyoso tout to pesa ngona ba pa ezalo ko la papa na kata ndaku oleko zo responsabilité ya libota ya ndaku na yo yo komi kozela mutu mususu azuela yo responsabilité. Ça ce n'est pas un papa responsable. Moi je pense que en tant que papa responsable, responsabilité ezo revenir na biso moko ba ikongomani tokoka ko renforcer FARDC na biso ezali mapinga ya mboka tokoka ko linga yango tokoka ko booster onion surtout atangami infiltré parce qu'il y a beaucoup des infiltrations. Okay. La Katia FARDC yango nezo salake bitumba moi to zo résultat ya malonga te congolais telema zala debout to kokako zala uni to booster ennemi d'ailleurs Rwanda le Rwanda ne représente absolument rien par rapport au Congo.
il faut que tout le bayango Rwanda des alliés moka moke rendre les réseaux représentés le Congo par rapport au Congo aujourd'hui le Rwanda est un pays où il faut menacer le Congo à mort aujourd'hui même le chef de l'État qui avait dit s'il s'agit même de faire des sacrifices suprêmes pour que Kimiazo en a parti il en a parti est de la République démocratique du Congo à Kosa là mais jusque là on sent pas que ce sacrifice suprême est Kosa là mon niveau moi je pense que tant aux zones nous savons tous la guerre de l'Est, c'est la communauté internationale qui est derrière. Mais le même communauté internationale avec qu'on soutenir, elle se pourra dire qu'on va, ils vont encore réexaminer la situation. Il y a embargo, il y a armement, la bise pour que balon l'embargo ou aide ses victimes. Donc, les mêmes communautés internationales, ils ont condamné Rwanda. Ils doivent faire le cessez des faits immédiats pour que Kimiazon en est. Comment le même communauté internationale moi, je continue toujours le Belango. Moi, je pense que cette communauté internationale, ils ont joué j'ai à double face. Ok. Baimboka, Bakongomani, Tolamoka. Les mêmes communautés internationales, wana, ceux qui ont une armée forte, une armée puissante, moi je pense que Tokobang est sa même communauté internationale. Wana. Nous avons Poutine. Poutine aujourd'hui a tout ça, il a Ukraine. Mais la communauté internationale est gangue, Poutine tellement il est fort. La Russie est tellement forte, les lots, ils ont bangi ça. Ils ont bangi ça. Moi, je pense que il faut tout consolider l'armée Nabisso. Tout booster l'armée Nabisso. Tout bengana, ben filtré dans le Nabisso. Pour que tout coca, les devants dans le Nabisso. Ma décision, ou pas ya koya ko bongi se l'ambokate. Communauté internationale, wana, ils ont les lotés, les bandits, mais tous les autres ont des causes de mon côté. Pourquoi toujours qu'on ait une voix, wana, au même temps qu'on ait une voix, wana, tous les autres ont résisté à Malongati. Il est grand temps, peuple congolais, tous là, debout, tous simbana na maboko, pour que lobby, tous à la Congo, moko fort, c'est l'auto-prise en charge. Nous avons tout, les lots ici. Et là, ils ont bangi ça, les lobanini. Armement nucléaire. Mais nous, au Congo, tous en abat matière wana. Tous en abat matière wana. Il est même grand temps, je dirais, même Natata Mokonzekolo, de négocier même avec la Russie. Parce que la Russie, ce sont des pays sincères, bazaba capitaliste été. Les Européens, les Occidentaux, les Américains, ce sont des capitalistes. Ma relation avec la sincérité vis-à-vis, bah ça toujours là derrière ben intérêt na bango. Il faut toyer ba yango. Les autres pays à qu'on négocier ils allient Russie parce que Russie depuis quand la bilo que même ba Lumumba yango. Lumumba voulait depuis ces temps-là voulait que azwa déjà Congo a pèse ngo na pas partenaire russe. Yango ça là que boma Lumumba. Mouzo aussi Azalaka na ba ide wana biso moko toko ka komiso en charge toko ka kovandisa mboka tata mokonzi moi je pense que tozo soutenir yo biso peuple congolais parce que ozali mwana mboka vous avez des bonnes idées mais moi je pense que soutien wana il faut yope o koka kozongisela biso na niveau ya biso ba tozo na petit peuple toko ka ko conscientiser bande ko na biso ba congolais mingi conscience ezalité. Tala lelo betranje nde bayeli biso buzoba ba biloko lokola baba ba whisky o ezo boma ba jeune ezo komisa ba jeune mi bangé comment mutu eloko ezo détruire mais quelqu'un prend plaisir yako mela yango là ça ne va pas ba biloko wana il faut si là il faut to telema elongo tokoka ko simbe kolo na biso très bien si on regarde bien lelo que processus oyo la République démocratique du Congo, ils sont en train d'emboîter le pas aujourd'hui. On voit que Togum Kozong a presque la même proposition. Oyo, le président national, il y a INC, Vital Kamerhe, à Salaki, na bailli politique. Il a été critiqué, bien critiqué de gauche à droite en disant que ce n'est pas un Congolais. C'est proposé. Le Congo ne peut pas dialoguer avec le gens au bazar déjà connu ça la guerre envers la République démocratique du Congo mais aujourd'hui tant que tout comme on a posé il y a Nairobi bien il y a Kenya et Bandi le lundi 28 novembre est-ce que Zali Moko y a plan de crise au Vital Kamerhe à Salaki pour que la RDC bimana en crise il y a est de la République démocratique du Congo bon moi j'ai suivi les présidents Kamerhe
Le président Kamir était clair. À Lobi, on ne peut pas gagner une guerre tant que tous en a nous n'a pas infiltré dans le niveau ya ma pinga ya mboka na biso. OK. Mais il a totalement raison. OK. Mettons bozan na bateau yo bazo se communiquer na camp adverse. Vous voulez trouver quel résultat? Vous voulez avoir quel résultat? Tu veux un résultat mon côté? Moi je pense que tata mokonzi kolo awa je vis déjà na niveau ya armée na biso, il y a des recrutements ya ba jeunes. Tout s'est consolidé, tous à la bomoko, tous lingamboka, pour que lobby tant que ça a une armée forte, je pense que Rwanda, avec la communauté internationale qui est derrière le Rwanda, va kokokabi sauter. Parce que Congo, ils en a plus de 100 millions d'habitants. Les Rwanda ne représentent absolument rien. Rien que la partie est Rwanda. Mais le soki balobi ba kota na Rwanda. Je pense que pas que Rwanda ait pu résister même 48 heures. Awa, ils ont l'ikambou, il y a conscience, c'est l'auto-prise en charge. Congolais à l'éli mingi, il va violer ba maman na biso, ba saccager bandaku, ba violer banana biso, ba bengani, ba tout na ba village. Il est grand temps, tout koka kozwa conscience, il est grand temps. Tous à la auto-prise en charge pour que l'obito tombe la mboka na biso. Il est grand temps tout que vous soyez conscience, il est grand temps tous à la auto-prise en charge. Là, ce sont de dire de Gaëlor Bissou qui est le vice-président, il y a ADC, il y a la structure et la justice civile, eux, qui ont accompagné Tata et Kolamboka en même temps qu'on a l'action à l'intérêt de la population congolaise, où il y a tout que Bétanema sur le concerné politique et la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de parler de l'Est de la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'état de siège. D'après Gaëlor Bissouki, vous donnez quel résultat état de siège il y a les deux provinces, entre autres, le Nord Kivu et l'Ituri? Moi, je pense que l'état de siège, sur le plan résultat, c'est un résultat négatif. Ok. Pourquoi je dis ça? Depuis Bakomi, Tozaka en état de siège, Tozomo na bande konabiso bako violer bango. Tozomo na bande konabiso bako kata bango. Tozomo na bande konabiso bako kima. Ça, moi je dirais même na tata Mokonzi Ekolo, c'est une perte de temps, c'est une perte de moyens. Awa, ezali kambo, to se consolidé. To vanda, totala. Et le konini ko sala ke bitumba oyo ko silate. To yebi yango parce qu'il y a des infiltrés au sein ya mboka, il y a même des Congolais qui collaborent avec le Rwanda. OK. Il faut dénoncer tout ça. Ozolanda to ko gagner guerre nengeni tant que ben infiltré wana tozana bango na kati ya mboka. O ba ko souhaiter ke bitumba nezala. Po bango batonga ba immeuble, po bango batambola na ba mituka ya talo, po na bango bas na bavanda kana mikili ya bapaya. Eza soni. OK. Ba kongomani oyo bazana bazana kati ya infiltration, bozwa conscience. Le meilleur héritage que Dieu nous a donné, ce n'est que le Congo. Lobby na fin Nzambe akotu na biso. Osalaka nini po na mboka. Nous serons redevables. Il est grand temps, il y a qu'on soit conscience, il y a qu'on ligne un beau cannabis. Il est grand temps, il y a qu'on soit conscience, qu'on ligne un beau cannabis. Est-ce que le temps que tu commences à faire ça, la prorogation, l'état de siège, il y a que le bagage sur le, ils ont un bilan encore négatif. Est-ce qu'ils ont nécessité aussi la prorogation, l'état de siège? Ils ont nécessité, parce qu'il y a aucun résultat. Na outi koloba wa, ils ont même perte, il y a pas moyen. Aux Hollanda, ils ont perdu, il y a pas moyen. Donc, il est grand temps de nga na outi koloba wa, tata mokonze kolo, consolider armée na biso, tous ala na une armée forte, mais, une armée puissante, tokubangi sabali. Mais, au koloba ki armée na biso, ils allaient infiltrer, ils allaient infiltrer sur quel plan? Parce que tata kola mboka, azelaki pendant 3 ans pour qu'à ça la mise en place, bien, à ça la réforme au sein de l'armée congolaise, tout le monde y a ça des réformes. Sur l'infiltration, aux Hollanda, il y a un niveau, parce que, tant à l'ongo les bateaux, bah, d'ailleurs, il y a un commandement et armée pour non ça là, que armée na biso, bon, l'ongo, un esprit infiltration. Mais le loto qu'on sentit toujours, l'est en moins d'agar en insécurité. Mais moi, je dirais ceci. Pourquoi la zone au baquet? Infiltration est allée. Na outi koloba wa. Ezana ba kongomani. Ba imboka oyo
tozana bango na kati ya mboka souwe na bango na cas adverse pour que bitumba ekoka kosila te plutôt pour que bango bazwaka moi ba bénéfice par rapport ya guerre wana parce que toi biki parti est eza na ba minerai belé eza na ba richesse et belé ya mboka mona mboka gelo objectif étant de chez Zalekini aussi ça bitumba na est sur le bitumba silité eh mais yango pourquoi que ça la sous propagation non mais yango faut cesser. Il faut cesser parce que ils ont un résultat à malonga te. Il faut cesser au lieu à qu'on s'engage toujours en état de siège mais toujours zoagen de cause te. Il faut to vanda to mituna et le konini ezo simba te même na libota quand tout monde a quand même na bande kuna biso quand il y a des morts dans la famille ba tu ba vanda ka autour d'une table tu benga rango palabre ba vandi ba koka koyeba et le konini e ko simba te po ba eba tu ba ko kufa ka au sein ya famille. Très bien. C'est ça le pays ezali pays c'est quoi? Un pays c'est quoi? C'est l'ensemble des familles. OK. Il y a un homme qui a constitué pays. Il y a un homme qui a constitué pays. To vanda, to sala dialogue entre biso na biso, to zala na bosembo, to yeba, et loko nini, et ko simbate. Parce que depuis to banda, to sala ba marche, to lela, to sala boye, est ce yango, toujours, to zala ko lela, toujours. Et zo sala passi, ba tomba mama na biso ba ko viole ba ngo. Tant que nous avons un peu de temps, tant que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu Congo. Est-ce que nous Congo? Nous avons un peu de temps. Nous pour que nous avons un peu de qu'est-ce qui ne va pas pour que nous aboutions à la solution durable pour toujours pour l'Est. Donc ici vous proposez na ba yo ba ko bazana na gérance ya mboka pour que la paix revienne totale au niveau ya Est de la République démocratique du Congo ou bien pour que tout le monde kimia na Congo mobimba parce que l'insécurité ce n'est pas seulement à l'Est ici. Et on doit le dire l'œil ouvert que l'insécurité ça na Est était aujourd'hui ce total au niveau Kwamu ce matin il y a eu avoir 3 morts. On a ba affrontement au Congo salama na Kwamutu. Yo oko senga oko sala proposition pour que la paix revienne au Congo, il faut tout ça le dialogue intercongolais. Oui. Moi j'ai dit je n'ai soutenir le dialogue intercongolais. Oui, parce que le même na Kwamutu. Comment est-ce que d'abord tozo nganano na origine na biso? Est-ce que Congo na biso depuis bakoko na biso? Est-ce que congolais Azalaka na habitude ya kozwa lichete. Kukatande konen. Non, existe te. Wane za babilo ko e outi. Pa bande konen biso. Be étranger. Oh, lelo. Kongola lingya kopie. Bouzo ba o eza na bo origine na ete. Kongole c'est un peuple hospitalier. Ok. Kende même na mikili ya bapaya. Ba Congolais entre bango na bango okomona balingaka ko vivre ensemble même na bapaya. Aujourd'hui nous avons des Chinois, nous avons des Indo-Pakistanais qui sont dans notre pays. Tu inquiétes pas on est nous ni loko mokote ba kotambola ba kozwa kape basi na biso mboka ba kozwa kape mibali ya mboka na biso mais biso toza na problème na mona bango te. Donc comment kana ba problème na bango soki il y a des dérapages na ba cadre ya baliwa yo moni de ba kongomani ba telemeli bu buso ba je suivi même temps étudiant congolais moko akufaka na en ba yi kongomani ba telemaki parce que étudiant na kufaka na ba raison moko ezalaka un peu louche. OK ba raison ba torture là ça ne va pas donc peuple congolais sa peuple yo avandaka na mutu nyoso mais ba étranger na biso tant ba yakawa basa pe na comportement ya malamu mais problème les anini le Rwanda là moi je ne vois pas le Rwanda je vois c'est la communauté internationale qui est derrière le Rwanda parce que bande kuna biso ba congolais mingi moi je fais 4 ans Kisangani j'ai vu beaucoup de congolais ba botana ba rwandais beaucoup de congolais na partie est écoute kolobate il y a beaucoup de congolais ba botana ba rwandais ils sont toi na prendre na Rwanda te. Mais c'est la communauté internationale ne mutu aza derrière Rwanda oyo ke lelo même bango moko ba rwandais au sein ya Rwanda baza contre Kagame
parce que Rwanda na RDC ma papa na ngai mukolo kokoma na bagiseni kuna na ba frontière okomona toza y a des étudiants batanga na Congo mais bavanda na Rwanda de même aussi baobaza na Rwanda batanga na Congo toza peuple moko toza ba pays frontalier OK ozolana mais c'est cette communauté internationale et puis j'ai fait un appel na ba africain l'Afrique et kozwa lelo développement tango toza uni to longwa na ba division on a tué Kadhafi to vanda to kangami nokonabi so bi pona nini baboma Kadhafi po esika Kadhafi abandaka koluka toza la monnaie moko unique ningozo mona bero c'est ce qui a tué Kadhafi aujourd'hui babome la biso Kadhafi peuple libyen boza wapi bino mat bo soutenir la communauté internationale wana boza wapi lelo vous êtes dans la rue bozo potana il est grand temps toz à la fort Afrika et ko bangisa mokili parce que to bangisa ka mokili l'époque ya ba pharaon Égypte zaka parmi ba pays puissants na mokili yo pourquoi pas lelo toz wa conscience to vanda to tala ke Munguna na biso ezane kona africain te Munguna na biso ezali ne mupaya o na ba intérêt na ye en tant que capitaliste bazoya pour que ba créer biso des ordres tozo conscience très bien tozo conscience ezali a appel de conscience de kogela biso ka kosala na population congolaise bien ba africain yo en général parlons toko kuma mingi na suka émission mais on peut pas finir cette émission sokto beti makambo est concerné publication ya calendrier électoral et surtout vous étiez présent dans la salle lorsque le président de la CENI Denis Kadima donc ça la publication il a expliqué comment les élections vont se dérouler en 2023 a fixé même la date aux élections présidentielles vous allez le 20 décembre 2023 si je me trompe pas si j'ai encore une très bonne mémoire mais donc au moins on a baillé opposition qu'on a bah ça déjà des déclarations politiques mais que ça là bah sortie médiatique en disant que la calendrier électoral en question ne sera pas réalisable ils allaient déjà manier à tricher l'élection d'après Adolphe Mouzout ancien premier ministre il est le président national il y a un nouvel élan bon gars il n'a que personne nous l'ongoni à mingi na président ya CENI na équipe na Mobimba parce que nous étions invités j'étais là nous étions invités na Monica même lelo ndenge Lumumba banda koloba le Congo écrira sa propre histoire lelo tozo koma histoire na biso j'ai été surpris na mona 100% ya ba produit nyonso o tout ba améliorer les ali baï comme mani ni somo konde to sali. OK. Place nazalaki na sengo. Na lobi makambo yo balumumba. Moi je vois balumumba bazaba ya pona ngana benga kae. Aza parmi aussi des prophètes parce que makambo ya lobaka. Yango ezo se réaliser. Ça le ko la ninge ba Martin Luther King na États-Unis ba lobaka par rapport ya un africain, un noir a kokomara président ya États-Unis, le nom Lumumba makambo ya loba yango ezo réaliser. Lelo il y a quand même eu une amélioration au niveau de la CENI. Il y a quand même une nouvelle carte en plastique résistant. Il y a quand même les scanners de l'iris. Oh, ils ont salaké parce que tant que tous allaient à Mokili, il faut toyer belo komoko. Mutuna mutun zamba chaye na empreinte na ye. Et lelo CENI à comprendre le koana. Donc il tant tozo ya pour que tozo ba carte d'électeur et za lissous na empreinte moko ba kozo biso au niveau ya misu na biso bazo benga ngo scanner de l'iris. Bande ko bayi opposition nga na zo condamné binoté. Ce n'est que normal ba réactions à la boue parce que nous avons vu aussi à l'époque le président Kabila calendrier électoral les ala qui peut publier mais ben élection nyoso et ça les date na ba date wana ya homoni CENI azo senga azo sa la même appel na ba biso société civile na ba yi politique Toko kakozala ensemble, pression wana boposa bande on a vu opposition bazo cheza malamu pour que Seigneur sentir mulungé akoka ko respecter calendrier électoral on ya publiaki. Mais on a parce que biso toza na souci ya
y a respect à la constitution, respect à calendrier électoral, ben élection qu'on a pour salema, na le mango et puis la transparence. Mais quant à la déclaration, il y a de quoi d'autre, Mozutu. Ils allaient pressionter, ils allaient que à cause là, à cause déplorer, plutôt à cause déplorer, manière où ils signent cause ça, nous savons n'ayez le but que bah calendrier où ils signent publié, de quoi dit ma publié, ils allaient déjà quoi annoncer tricherie dans l'élection 2023. Bon, j'ai du respect à l'ancien premier ministre de quoi d'autre, Mozutu. Na kolobelo komoko ki papa Adolphe Mozutu, vous savez que mutoaza en tête ya mboka, nous avons quand même de la chance ya kozwa un nationaliste, un patriote, quelqu'un qui est connu. Papa mokondi ekolo, moi je pense que souci na ye makambo ba reprocha ka le président Kabila, souci na ye azali na besoin à améliorer nyonso. Tant au moni seni ba kous, ba bimisi calendrier électoral na lombango, ezali pona ndeko Félix Tshisekedi akoka ko luka glissement ta ya un jour te. Parce que lobi so kasali glissement wana, biso ba yimboka to kote le melaye. Parce que Yepé à l'époque a télémé la canne de Kabila. Donc, vous êtes dans votre droit, il y a Kocha Seni Moulungé, il y a Kosa la contradiction. D'après tout, nous sommes dans un pays démocrate. Nous sommes tous au Kokyo Zalanaba, même à Vité. Ce n'est que normal. Il faut bavier à la partager. Mais Naba Vité, on les a partagés. C'est comme ça que nous poussons même Seni à Monaké. Non, Mboka. Il faut te respecter oyo biso moko to publiaka to chaka Kabila mulungi. OK. Est-ce que Bobby? OK. Jusqu'à ce que le président Kabila, il a compris que on doit organiser les élections pour que Makambu etambola na ndenge ya malamu. Très bien, pour que Makambu etambola na ndenge ya malamu, wana ezali maloba ya mwana mboka gelobe, c'est OK. Moko ya bayi société civile comme vous le savez la télévision se dit tant. Il y a plusieurs actualités qu'on doit en parler, mais vu que le temps ne permet pas d'en parler de cette thématique, de cette actualité, allais-je dire, vous pouvez même vous rappeler pour la prochaine fois. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Plus de 137 000 abonnés, Mazas Kotchen et Minute à travers notre chaîne Congo Live. Message Union Européenne, ça bon autant que vice-président, il y a ADC, en même temps chargé à relations publiques dans cette structure-là. Vous allez sur Moko, il y a notable, il y a Komini Angalema. Message Union Européenne, ça va y avoir l'an dessus. Message dans la fin. Na kopé sanano na bakongomani nyonso enregistrement na identification ezo banda d'ici le 24 décembre 2022. Nous avons que 30 jours pour na ko se faire identifier, na ko se faire enregistrer. Bayimboka, bayikinwa, bayi population na ngai ya ngalie malukunga bokende na lombango. Bokende ko s'enregistrer. Ko s'enregistrer ezali droit o esengeli na moto nyonso tout. Nazo senga na bino lelo pour que lelo bon mema mwa na mboka na bino mesegalor besoke au sein assemblée provinciale. Nzele za moko. Allez-y bokende ko s'enroler ezo banda le 24 12e mois 2023. Na ko senga na bayi base nanga ya ADC tozala na bolingo na lobela kabino toujours bolingo Congo ekotambola Congo ekozala lobi Congo uniforme tant que tozala na bolingo même biblia ezolo ba bolingo bo tolingana parce que na kolingana na kozala bona bolingo yango ne mutu ekosala lelo mungu na kote la biso te mungu na kokote la biso ezali manque d'amour. Tala bande konabiso ya este aujourd'hui. Lelo bahana bitumba mais soko tamoli lelo na kisasa okomona toza na jouissance tozo mela to kolia c'est comme si problème ya este etali biso te non waneza bolingo te. D'ailleurs au niveau ya ADC to komela ki déjà ta nani papa vice gouverneur ya mboka tozo kende ko déposer les lettres. Il faut déjà to banda collecte des fonds
pour na ko soutenir bande ko na biso ya est est ezali Congo, nous sommes censés ya ko soutenir est ya ko soutenir ba mapinga na biso pour que lobby toko kozala na Congo moko uni et fort. Mais na ko pesa pe contact na ngai ba oyo ba kolinga ba région na biso na kati ya structure ya ADC, l'auto-prise en charge pour le développement du Congo, ba numéro na biso ezali +243 89 195 49 47. +243 89 195 49 47. Wana bokozwa biso. Tosengi, même na ba partenaire ya Libanda, même na ba partenaire ya Mboka, boya na ADC. ADC zali po na biso banson. Parce que c'est l'auto-prise en charge pour le développement du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, c'était Gelor Bissou qui a dit Moko ya Bakambi ya ADC Congo, ADC comme on le dit là, Moko ya structure dans la société civile, la République démocratique du Congo. C'est avec lui qu'on a eu cette opportunité de débattre toutes ces questions d'actualité au réseau qu'on a gangrené au sein de la République démocratique du Congo. Comme on le dit souvent, peu importe nos divergences, on est tous congolais. Qu'on se les dise. Au revoir. Thank you.